Bonjour à tous, Marc Anadef, ambassadeur Sony pour la Belgique et rédacteur du Sony Alpha Point Blog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Nisi S6, un système de porte-filtre 150 mm spécialement conçu pour le Sony 1224 f2.8 G Master. Je vous montrerai comment installer le système porte-filtre sur l'objectif et ensuite nous irons faire quelques essais dans Bruxelles. Prenons quelques instants pour présenter le Sony 1224 f2.8 G Master. C'est un objectif de tous les superlatifs, un piqué extraordinaire, une colorimétrie et un contraste excellents. Mais malheureusement, comme tous les objectifs ultra grand angle, sa lentille frontale est très bombée, ce qui rend l'utilisation de filtres vissants traditionnels impossible. Sur cet objectif, Sony a prévu que l'on puisse installer des filtres à l'arrière. On pourra soit soi-même construire ces filtres grâce à un gabarit fourni avec l'objectif, soit s'en procurer chez différents fabricants. Ces filtres ont un grand défaut. Sur le terrain, ils nécessitent, si l'on veut en changer, d'ouvrir et de laisser le capteur à l'air libre, source de poussière, et on ne sait mettre que des filtres ND complets et non des filtres ND gradués ou des polarisants. Il y a 2 ans, Nisi avait sorti un Nisi S5 spécialement conçu pour le 1224 F4G. Cette fois-ci, pour la sortie du G Master, qui est plus encombrant, Nisi a conçu un Nisi S6 qui reprend les recettes du Nisi S5, mais en améliorant de nombreux détails. Regardons maintenant de plus près le système Nisi S6. Il est constitué de 2 parties principales. Un adaptateur que l'on fixera sur l'objectif et un porte-filtre qui se fixe sur l'adaptateur et qui pourra recevoir jusqu'à 2 filtres qu'on pourra superposer. Commençons par fixer l'adaptateur. Pour cela, il vaut mieux avoir l'objectif pointé vers le haut. Vous pouvez remarquer les 4 ergots dans l'adaptateur qui devront venir s'insérer dans le pare-soleil. À l'arrière de l'adaptateur, une bague permettra de solidariser celui-ci avec l'objectif. On remarque également une petite vis de sécurité qui permettra de sécuriser l'ensemble. Procédons à la mise en place. Ainsi. Je maintiens l'adaptateur et je visse la bague. C'est fait. Tout est en place. Et j'actionne la petite vis de sécurité. Voici. Le système Nisi S6 est livré avec un filtre polarisant circulaire qui se fixe sur cet adaptateur tout simplement en le vissant. Il existe 2 modèles de kit Nisi S6, le CPL Pro avec 95% de polarisation à 400 € et le Landscape Pro avec 99,5% de polarisation et un traitement nanocoating. Celui-ci revient à 445 €. Vu la différence de prix de 10%, je recommanderais de prendre directement la meilleure version, la Landscape Pro. Passons au montage, c'est très simple. On prend le filtre polarisant, on le visse comme un filtre traditionnel, mais en prenant soin de bloquer cette petite molette. Voilà, après quelques tours, tout est fixé et cette petite molette permet justement
de faire une rotation douce et continue de votre filtre polarisant pour le positionner selon vos souhaits. Remarquons également un nouvel accessoire, un protège-filtre polarisant, qui est une nouveauté du Nisi S6. Ainsi, votre filtre polarisant est protégé durant le transport. Passons maintenant au porte-filtre. Pour le fixer, rien de plus simple. Une petite vis à tirer. On relâche et il est en place. Le porte-filtre peut tourner de manière indépendante du filtre polarisant. Voici. Et j'actionne la molette pour le filtre circulaire. Petite nouveauté du S6, une molette supplémentaire qui permet de bloquer la rotation du porte-filtre et empêche que l'on enlève le porte-filtre par erreur. Le support porte-filtre accepte deux filtres simultanés. Nisi offre une très large gamme de filtres, mais pour commencer, je vous recommande par exemple un ND1000 de 10 stops et un ND gradué de 3 stops. On pourra également utiliser un ND gradué reverse qui est particulièrement adapté pour le paysage au lever et au coucher du soleil quand le soleil est présent au milieu de la scène. Il existe également d'autres filtres comme le filtre Nisi Natural Night qui bloque les longueurs spécifiques aux éclairages urbains les plus courants et qui est parfait pour l'astrophotographie. De nombreux kits existent avec les filtres les plus courants, à vous de voir en fonction de vos besoins. Passons maintenant à l'installation du filtre. Comme vous pouvez le voir, l'arrière du filtre est équipé d'une matière noire comme de la mousse, ce qui permet d'une part de ne pas endommager le filtre lorsqu'on le pose, mais aussi d'empêcher d'avoir du jeu et des lumières parasites entre l'objectif et le filtre. Passons à l'installation. Et voilà, tout est en place. Tout est prêt, nous pouvons aller maintenant sur le terrain. Je vous propose de ranger tout le matériel dans la sacoche prévue à cet effet. À bientôt. Nous voilà sur le terrain, nous allons installer le porte-filtre. J'enlève le capuchon. Voici. J'installe mon filtre ND. Et que je peux l'orienter et j'ai toujours la possibilité de tourner le filtre polarisant. La mise au point se fait plus aisément avant de mettre le filtre ND.
Une fois la mise au point effectuée, passez en mode manuel. Prenez les mesures du temps d'exposition, ici 1,3 secondes à f11, sans ISO. Je réinstalle le filtre. Voici. Pour calculer le temps d'exposition, j'utilise une application appelée Long Exposure Calculator. C'est très simple, il suffit d'introduire le temps de pause sans filtre, la puissance du filtre et l'application vous donne le nouveau temps d'exposition. Pour effectuer la pause longue, j'utilise un déclencheur filaire muni d'un bouton qui me permet de maintenir aussi longtemps que je le souhaite la durée d'exposition. Je me mets en mode manuel, en mode bulb, et je me tiens prêt à déclencher. Je lance le minuteur sur l'application et je lance l'exposition. Une fois le temps imparti, l'application va sonner et me donnera le signal pour arrêter l'exposition. J'arrête. Une fois la prise de vue effectuée, on peut contrôler le résultat et éventuellement refaire une nouvelle pause longue avec d'autres réglages. Une fois toutes vos prises de vue réalisées, il est temps de retourner chez vous et de faire le post-traitement. Thank you.